Salut tout le monde, c'est Lucie. J'espère que vous allez bien. Alors, on est lundi, je ne sais plus combien d'avril. Oui, d'ailleurs, on est le combien? Je vais vous dire ça. On est le lundi 20 avril et on se retrouve pour faire un petit peu de DP ensemble. Donc, je vais vous faire voir. C'est mon fameux swap. Du papillon que j'ai gagné chez McCann. Voilà. Donc j'ai pratiquement fini la ligne du bas. Voilà. Et ouais, il me reste là où j'ai commencé à faire petit damier. Donc ce point-là, je pense que je vais le finir toute seule parce que c'est du noir. Voilà, c'est pas très intéressant. Alors, attendez que je réfléchisse. Est-ce qu'on fait le damier quand même ensemble? Ouais, on va quand même faire le damier. Alors, hop, je m'installe. J'espère que vous allez bien voir quand même. Je pense que la tablette est un peu trop lumineuse pour la caméra. Alors, je vous rapproche du damier. Voilà. Donc, on va faire ici. Tac. Ma petite loupiote aussi que j'aurais bien. Je suis désolée, hein, je m'installe, mais au moins. Comme ça. Tout le monde sera à l'aise. Ça, voilà. Voilà, je pense que vous voyez pas trop mal. Et on va pouvoir commencer. Je relève mes manches parce que sinon le gilet, il va coller. Alors, on va continuer. On va remplir donc le damier que j'ai commencé. Donc, on va prendre les petits E numéro 25. Alors, j'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Moi, ça va, j'ai repris le travail aujourd'hui après une semaine de vacances. Donc, télétravail. Là, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la courte vidéo que j'ai postée hier, doit faire 3 minutes et quelques. Quand j'avais commencé par là, le DP. Moi qui avais mis tant d'espoir dans la canne, je voulais vraiment tester ce vendeur, donc trop contente d'avoir un DP de lui, de la canne, du coup. Voir si j'allais recommander chez lui. Et bon, voilà quoi. Très très déçue de la qualité. Alors non pas de la toile. Hein. La toile elle est top, bien épaisse, il n'y a pas de rivière. La toile elle est nickel. Par contre les diamants, franchement, là moi je sors du DP Mario de Home Fun. Et en fait, je pense que le contraste a été un choc. Je m'attendais vraiment à aussi bien que Home Fun. Et ben non, les diamants sont super mal taillés, quoi. Alors vous voyez peut-être pas. Ouais, vous ne devez pas le voir. Alors après, quand il n'y a pas ma tablette LED accrochée au mur, je pense que enfin, de loin, ça ne se verra pas. Hein. C'est, en fait, quand on regarde après, ça va. Mais alors, à poser, moi j'ai horreur de ça. À poser, enfin, les diamants ils se touchent pas quoi. C'est. Enfin, je sais pas, la short de Home Fun, quand on mettait un diamant entre deux, on entendait le petit clip parce qu'il se touchait. Donc, c'était nickel, il n'y avait pas d'espace. Là, entre alors, les mal taillés, les chutes, les bouts de je sais pas quoi, ouais. Vraiment déçu. Du coup, je vous avais fait
à chaud comme ça, la courte vidéo que j'ai postée hier. Et une de mes abonnées, Martine, que je salue, m'a fait remarquer, est-ce que c'est bien Huracan Official Store? Du coup, je ne me suis pas posé la question, hein, Huracan, quoi. Et en fait, en regardant bien, effectivement, ce n'est pas Huracan Official Store, c'est Huracan Factory Store, si je ne me trompe pas. Et du coup, eh ben, ça change tout. Parce que, en fait, ce que me disait Martine, et c'est vrai que j'ai cru l'entendre dans une vidéo, effectivement, c'est que, par exemple, Huacan Factory Store, eh ben, leurs diamants par rapport à Huacan Official Store, eh ben, ce sont des diamants de moins bonne qualité. Est-ce que c'est des fonds de cuve? Est-ce que je sais pas. Mais donc voilà. Alors, d'un côté, ça me rassure parce que je me dis, bon, je vais quand même laisser une chance à Huracan Official Store. Je verrai un jour si je commande chez eux. Donc voilà, un petit conseil. Faites attention si jamais vous commandez chez Huracan ou Home Fun, c'est pareil, hein. Il y a Home Fun Official Store, il y a Home Fun Factory, je sais pas quoi. Enfin, faites bien attention. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous... Peut-être que des gens ont commandé, ont reçu des DP chez les Factory Store et que ça s'est très bien passé. Moi, c'est pas le cas. Pour ma part, et je vous le dis après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, pour ma part, je ferai super attention maintenant que le vendeur soit bien Official Store. Home Fun Official Store, Huacan Official Store. Parce que, en fait, je me suis aperçue aussi, j'ai dû me noter ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le deuxième swap que j'ai gagné de Huacan sur le DP, c'était Mover Day, en rose, que je n'ai pas encore fait. Je me suis dit, cool, deux de Huacan. Et en fait, l'autre, là, le Mover Day, c'est Huacan et c'est mis à côté Lucky Star Diamond Embroidery. Donc en fait, c'est encore autre chose de Huacan. Donc là, je ne sais pas ce qui m'attend. Donc en fait, j'en ai pas un de Huacan Official Store. Donc je ne peux toujours pas savoir si c'est bien ou pas. Voilà, donc d'un côté, ça me rassure que ce ne soit pas le Huacan Official Store. Et puis de l'autre, eh ben, ça m'embête parce que c'est pas du tout, du tout agréable de faire un DP comme ça. Moi, ça me saoule. Faire un... En plus, enfin, comme je vous dis, je suis un shorté de Mario Home Fun Official Store, mais j'en ai jamais fait un comme ça. Et là, je tombe sur ça. Bon, voilà. Donc après, je le fais, hein, faut que je... Voilà, il est commencé, je vais le finir. Mais alors, par contre, je vous dis, je prends pas du tout de plaisir, quoi. Voilà, et faire un DP sans plaisir, c'est pas... Mais je vais le finir parce que Edune, il est commencé, donc je vais le finir. De deux, en fait, en regardant comme ça, eh ben, on voit pas trop d'écart. C'est pas le pire que j'ai fait, hein. Après, voilà, c'est pas le pire que j'ai fait. J'en ai eu des beaucoup plus pires que ça, hein. Mais maintenant que je sais voilà, qu'il existe des vendeurs super top au même prix, enfin... C'est un peu rageant d'avoir des diamants de cette qualité-là, quoi. Bref. Donc, du coup, ouais. Enfin, faire super gaffe au nom, surtout. C'est un peu trompeur, leur truc, hein. Bon, là, moi, je m'en fiche un peu. C'est un DP, il m'a coûté 1 centime. Bon, voilà. Dire, c'est pas grave, c'est pas... Mais au moins, ça m'aura appris que, voilà, faire attention aux vendeurs, official store surtout. Parce que là, j'aurais fait un DP personnalisé en pensant que c'était chez Wakan et que c'était un truc comme ça. Oh bah putain, les goûts, pardon. Punaise. Comme dirait mon fils, punaise. Punaise, les boules, quoi. Donc, ouais. C'est pas top.
Donc voilà, merci Martine, du coup, de m'avoir précisé, enfin de m'avoir demandé de regarder quel vendeur c'était exactement, effectivement. Parce que voilà, c'est. Martine, elle me disait, je crois que ça lui était arrivé aussi qu'elle avait gagné deux swaps. Je crois, hein, Martine, si je dis pas de bêtises, que tu avais gagné deux swaps et qu'il y en avait un de Wacken Official Store nickel et l'autre de Factory Store et que tu avais eu le même problème. Donc, comme quoi, c'est. Mais ouais, ma déception était grande hier. Et du coup, bah là, voilà, faut que je finisse. Pas trop d'entrain à le faire, mais bon. Voilà, il est commencé. Et puis, il faut que je le finisse parce que, alors, d'autant plus, ça me fera pas mal au cœur si ça rate, ce DP-là. Je vais faire mon test de vernicole en mettant un peu d'eau avec pour voir si le dépôt blanc se met sur les diamants. Voilà. Si vous regardez mes vidéos, vous avez déjà entendu parler de mes problèmes de vernicole et que je veux absolument mettre quelque chose sur mes DP et que ça, je voulais faire un test avec. Donc voilà, ça va être l'occasion. Si ça marche, tant mieux. Si c'est raté, bah, j'aurai pas de regret parce que de toute façon, voilà, c'est pas The DP quoi. Là, vous voyez, je mets le noir. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous faire voir quand même. Vous êtes, mais là, les écarts, merci quoi. Je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Hop, je vous bouge un peu. Alors. Déjà, mon portable, il va pas vouloir faire. Donc, vous voyez pas. Là, dans le noir, en fait, que je suis en train de faire, c'est. Pour les écarts, c'est quelque chose. Non, si je mets la lumière de ma tablette, non, vous n'allez pas voir. C'est dommage parce que du coup. Voilà, je vous réinstalle. Après, ouais, les couleurs, elles sont top, quoi. Enfin, ils brillent nickel, ils brillent super bien. Les couleurs, elles sont belles. Donc, ouais, c'est vraiment le faire le DP, quoi. Okay. Parce qu'au final, je pense qu'il va rendre bien. Mais bon. Attendez, je me réinstalle parce que moi le soir, je ne vois rien. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais refaire un peu cette vidéo ce soir pour refaire un point avec vous. Parce qu'hier, bah dans ma vidéo, je n'avais pas précisé que c'était Wacken Factory Store et non pas Official Store parce que je ne le savais pas à ce moment-là. Et voilà. Sinon, je voulais vous dire un grand, grand, grand merci. Tout à l'heure, j'ai regardé, on était à 290 abonnés. Ça me fait super plaisir. Alors, non pas parce que j'ai 290 abonnés. Un chiffre, voilà. Mais ça veut dire que voilà, il y a des gens qui s'abonnent encore et c'est top parce que ça veut dire que voilà, vous aimez les vidéos que je vous propose et ça, c'est cool. Ça me fait super plaisir. Donc un grand merci à vous. Moi, je prends un grand plaisir à faire ces vidéos. C'est vraiment un plaisir. Là, comme moi, alors, j'avais jamais fait de vidéos comme ça, faire des DP avec vous. Et en fait, les quelques que j'ai fait là, dernièrement avec vous, on fait ensemble, je vous parle, et puis tout à coup, je lève la tête, je regarde la caméra. Ah ouais, déjà ça. Déjà là, par exemple, ça fait déjà 14 minutes qu'on est ensemble. On dirait pas pour moi, donc peut-être que pour vous si. Mais non, non, c'est vraiment top. Je m'éclate à faire les vidéos. Je suis vraiment contente. En plus, enfin, voilà, je regarde aussi les vidéos des copains, copines. Et je trouve ça top de voir ce que
les goûts de chacun en fait, hein, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes styles, et c'est ça qui est bien, quoi. Chacun ses goûts, chacun ses... C'est vraiment top. Prendre des conseils à droite à gauche. D'ailleurs, en parlant de conseils, ou d'astuces, ou de... Estelle, si tu passes par là, je t'ai taguée sur Facebook, sur le groupe Diamond Painting Évasion et Création, qui est vraiment topissime en passant. Merci aux deux modératrices. C'est vraiment top comme groupe. C'est bienveillant, c'est vraiment super. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Estelle, je t'ai taguée parce que j'ai essayé ton astuce de la pâte à fixe. Parce que j'en avais marre d'avoir... comment? D'avoir de la... des dépôts de colle, enfin des dépôts de gomme sur les diamants des fois. C'est vrai que ça restait un peu. Et là, j'ai essayé ça il y a quelques jours et du coup, c'est top quoi. La première fois que j'en ai mis, ça m'a duré 3 jours. Donc là, j'ai dû remettre ce matin, je crois. Et voilà, ça marche encore. C'est top, il n'y a pas de dépôt. Donc merci beaucoup de ton astuce. Par contre, je dois être plus bête que les autres, mais je me galère un peu à la mettre, je t'avoue. Toi, je te vois faire ça tranquille, allez hop, je remets de la pâte à fixe. Ouais, voilà, j'espère que je vais m'améliorer avec le temps. Mais elle a un peu de mal à rester dans le style. Enfin, une fois qu'elle y est, c'est bon, mais alors à la mettre, voilà, j'essaie de me trouver une technique à moi. Mais... Donc c'est ça qui est cool aussi de regarder les chaînes des autres, quoi, c'est de prendre des petites astuces. Tout à l'heure, il y avait... D'ailleurs, je voulais dire un grand merci à Romain, s'il passe par là, de la chaîne Romain21. Parce qu'en fait, cet après-midi, il a fait un live sur sa chaîne. Et c'était vraiment sympa. Alors, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin parce que ma fille s'est réveillée. Mais, voilà, je sais pas, je suis peut-être restée 3/4 d'heure, 1 heure, je sais plus trop. Et c'était vraiment sympa. Et je voulais vraiment le remercier, Romain. Parce que il a pris le temps, je sais pas combien de temps ça a duré. En fait, il a pris son téléphone. Et puis, il nous a... lister les chaînes de DP auxquelles il était abonné. Donc, il y en avait pas mal. Même lui, il l'a dit. Hein. Il y en avait pas mal. Et du coup, entre autres, il m'a cité. Il a cité plein de chaînes. Franchement, voilà, c'est... Et j'ai trouvé ça super sympa de sa part. Parce qu'il n'était pas obligé. C'était son live à lui. Et là, il a pris le temps de citer les chaînes en disant... Ah, celle-là, elle est trop bien, allez-y, abonnez-vous, allez faire un tour, enfin bref. Et c'est quelqu'un de super, Romain. Donc, je voulais te dire un grand merci. C'était super sympa, ton live était top. Tu prends le temps de lire les questions, de répondre à tout le monde. Et ouais, c'était vraiment sympa. Donc, si vous ne connaissez pas... moi je vous la conseille, sa chaîne, moi je suis abonnée hein, depuis quelques temps, c'est Romain21, voilà. Donc si tu passes par là Romain, je te salue. Et donc voilà, Romain, j'en viens à ça, qui me disait, il avait vu ma vidéo sur mon organisation à la fin, quand le DP était fini, comment je rangeais mes diamants dans mon classeur, vous savez, dans mes cartes, dans mes pochettes cartes de visite. Et du coup, il m'a dit que l'idée lui avait bien plu et qu'il allait sûrement faire pareil. Et que si ça ne me dérangeait pas, il voulait bien me piquer l'idée. Alors, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais par contre, tu vois, c'est pour ça qu'on fait... Enfin, moi, perso, c'est pour ça aussi que je fais ma chaîne YouTube. Je vous fais voir
comment je m'organise, comment je fais du DP, comment voilà, c'est mon truc à moi. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, bah c'est pas grave, hein, c'est mon truc à moi, c'est pas là, voilà, vous faites comme vous voulez. Et mais par contre, il n'y a pas de souci à prendre des idées à droite à gauche. Comme je disais, moi, Estelle, voilà son astuce de la pâte à fixe. Bah merci Estelle. Voilà, je pense qu'elle le fait pour ça aussi. Moi, c'est pour ça aussi. Si ça vous donne des idées, si ça peut améliorer le loisir, moi, au contraire, j'ai dit à Robin, mais au contraire, ça me fait super plaisir que tu me. Que tu, enfin voilà, que tu t'inspires de cette idée-là. Après, il n'y a pas de, je te pique l'idée, je te pique. Enfin non, j'ai pas déposé un brevet pour ça. Il n'y a pas de souci, Romain. Donc ouais, c'est pour ça aussi qu'on fait des chaînes, c'est pour partager notre loisir. Donc il n'y a pas de souci du tout. Au contraire, ça fait super plaisir. Vous voyez peut-être pas d'ici, mais alors les écarts au score. Non, vous, je pense qu'à la caméra, c'est nickel. Vous devez dire, mais elle va pas bien celle-là. Non, son DP est nickel. Non, non, il y a vraiment des écarts. Là, je le fais. Franchement, je pose des diamants, mais sans plaisir, quoi. Ouais, je suis pressée de refaire un home fun. Donc, c'est clair. Après celui-ci, je refais un home fun. Alors, je ne pense pas que j'aurais reçu les miens. J'en ai 7 à recevoir. Je crois que j'en avais 6, mais en fait, non, j'en ai 7 à recevoir. Donc, je pense pas que je les aurais reçus cette semaine. Donc, celui-là, il va être fini avant, j'espère. Donc, du coup, eh ben, je pense que je ferai la Gorgeous après pour ma fille qui est Home Fun. Official Store, bien sûr. Donc, ouais. Là, j'ai besoin de refaire un DP, un bon DP, là. Je vous avoue. Du coup, je voulais dire aussi, oui, Romain, c'est bien son live parce qu'il a fait hier. Il y avait celui de Angélique aussi, et du coup, je trouve ça bien. Enfin, moi, j'oserais pas faire ça par contre. C'est bien ce qu'ils font, ouais, faut oser le faire, je pense. Moi, je pense pas que j'oserais. Non. Pourtant, c'est super sympa, quoi. Enfin, je vois celui-là de Romain là cet après-midi. Ouais, c'était top. Du noir hein, parce que c'est horrible les écarts là, enfin en plus avec la tablette c'est décuplé le truc là, voilà, genre il est boule que ce soit un perso et tout. Alors pour celui-ci, du coup, comme les diamants sont de qualité plus que limite, qui sont pas de bonne qualité, et ben je les rangerai pas dans mon classeur, ceux-là.
C'est mort, ils vont aller retrouver les autres DP, les autres des autres DP. C'était pas top. Dans mon classeur, je classe vraiment que les super bien taillés. Oh non. Si j'en ai besoin pour un DP, le jour que c'est mal taillé, non, c'est mort. Alors je les jette pas parce que je me dis peut-être qu'un jour je ferai des petits, s'il y a des petites créations à faire ou des choses comme ça, ben voilà, ça peut toujours servir ou pour mes nièces ou voilà. Enfin, il y a toujours moyen de se resservir de choses comme ça. Donc je les jette pas, j'aime pas jeter. Bon, mais bon, ils iront pas sur un DP quoi. Donc après ce petit bout là, j'aurais déjà fait une borne, il m'en restera trois à faire. L'autre qui attend qu'une chose, c'est la fin de son DP. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon lave-vaisselle. Oh là là, je les pose vraiment à la va-vite. Oh! Toute façon, ça sert à rien de s'appliquer parce que même en s'appliquant, bah, il y a les trous. Donc il y a les écarts entre les diamants. Alors, super. Et c'est dommage hein, parce que je vous disais, hein, la toile, elle est top quoi. Elle est... Oh! Pff, il n'y a pas une rivière. Elle colle super bien. On voit super bien les symboles. Oh! C'est dommage quoi. Enfin, je sais pas. Une cuve, non, ils ont qu'à en faire autre chose, j'en sais rien. Et ben au moins, j'aurais appris un truc, comme quoi on en apprend toujours. Voilà, alors mon damier du noir est fini, merci, parce que là, hop. Réussir à vous faire voir, peut-être en vous mettant comme ça, non, même pas. Attendez, je vous balade un peu, j'espère que vous n'allez pas vomir. Hop. Je sais pas si vous allez voir comme ça, les écarts, même pas. Vous n'allez pas me croire, hein. Non, vous voyez même pas. Je vous jure que c'est vrai pourtant, je ne mens pas. Hop là, désolé, je vous fais bouger. Hop, je vous cale comme il faut. On a fait un petit tour pour rien. Hop. Alors, on va finir quand même ce bout-là ensemble. Hein. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut des égales. Égale 27. À tout à l'heure, j'ai Home Fun, Official Store, qui m'envoie un message. Et qui entoure le nom. Alors il y avait le code postal et donc du coup le code postal qui appartient à plusieurs noms de communes normales. Et il avait entouré le nom de ma commune de résidence. Donc du coup je lui dis, je lui renvoie. Il m'a juste mis ça comme ça. Du coup
J'envoie un message au vendeur. Je fais oui, j'habite bien telle commune. Attendez, parce que je vous parle et il faut que je trouve ma lettre en même temps. D28. Oui, donc j'habite bien cette commune-là. Et puis je lui remets un point d'interrogation. Parce que j'ai des commandes qui sont parties, mais là, il n'y a plus de commandes à partir. Elles sont toutes en route, mes commandes de chez Home Fun. Et du coup, il me met en clair qu'il m'avait envoyé un courrier rapide. Un courrier rapide, je crois qu'il m'a mis ça comme ça, et que j'allais le recevoir très bientôt. D'accord. Donc, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas du tout. J'ai rien qui s'est inscrit en commande. J'ai rien. Moi, pas à comprendre. Courrier, pour un peu, je sais pas, ça me stresse un peu. Enfin, stress. Ouais, je me pose des questions quand même. Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, ben, on va attendre, hein, puis on verra bien. Je sais pas. Alors, si quelqu'un d'entre vous a déjà eu ça, eh ben, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire. Parce que moi, pas comprendre là. Moi, je veux bien. J'ai plus de commandes. Voilà, elles sont toutes parties, hein, les commandes. Je pense que j'ai fait assez de commandes comme ça, là, pour. Entre ma mère et moi, je pense que c'est bon. Donc, là, je prends directement dans mon petit pot, parce que j'en ai pas beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Parce que je vous parle en même temps. De faire des petits. Quand on ne fait pas des grandes zones et vous parlez en même temps, il faut se concentrer quand même pour faire des conneries. N'est-ce pas? Alors, le 6666638. Donc, ouais. Je vais attendre mes commandes de chez Home Fun et je vais attendre qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé. C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Après, il m'a pas dit, donc bonne ou mauvaise surprise. En même temps, mauvaise surprise, ouais, je sais pas. 26. Donc, ouais, si ça arrivait à quelqu'un d'entre vous, ça peut m'éclairer, ce serait sympa. Donc voilà, on a fait notre petit carré. Donc j'ai fini toute une ligne. Je mets un peu de lumière là parce que voilà. On a fait toute une ligne. La plante là, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Enfin, la plante, la feuille. C'est une feuille. Hein. Donc, par contre, là, vous voyez comment il brille. C'est vraiment dommage quoi. Enfin. Oh! Même les diamants, ils brillent, quoi. C'est vraiment dommage. Et les couleurs, elles sont super belles. Je pensais pas. Hein. Franchement, quand j'ai vu l'image, bon, ouais, voilà. Mais non, les couleurs, elles sont top quand il est fait, quoi. Là, je vais arriver au papillon, là. Ouais. Donc, voilà. Bon, on peut peut-être rester encore 5 minutes ensemble. Si vous voulez. Hein. Sinon, vous mettez stop et puis vous reprendrez plus tard. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font du DP en même temps. Écoutez. Moi, j'aime bien faire ça, faire le DP en écoutant les copains-copines, faire du DP eux aussi. Parce que du coup, quand on est en boxing, non, je ne fais pas de DP en même temps. Hein, il va falloir que j'arrive à vous caler. Voilà. Je vais y arriver. Hein, je ne fais pas du DP en même temps quand c'est des unboxing parce que. Ouais, faut un peu plus regarder quand même. Chez Wacken, c'est pas mal leur histoire de bande comme ça. En papier par bande. Ouais, c'est pas mal. Quand même leur trouver des trucs bien parce que.
Alors, on va faire un peu de vert, je pense. Ouais, on va faire des 8-8-8. Ben, le 8, c'est le 8. Donc, ça va. Voilà, un vert. On va continuer la feuille. Après, j'ai jamais fait d'épée avec ces couleurs-là. Ça, c'est bien de changer de couleur un peu. C'est dommage parce que du coup, je vais pas pouvoir les ranger dans mon classeur. Ça m'aurait fait des nouvelles DMC parce que des couleurs comme ça, j'en ai jamais eu. Et qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je suis en train de penser à autre chose? Ok, je ne me trompe pas. Celui-là, je me suis trompée. Il faut être concentré quand même, hein, le DP. On peut vite faire des conneries. Hein. Ah, puis il va falloir que je fasse le dernier rond qui me reste en stock. Le chamari que j'ai eu en double, donc j'ai déjà fait une fois pour ma fille, et il va falloir que je le fasse pour ma filleule parce que je compte bien l'avoir après le confinement, le temps qu'on s'est pas vu, et du coup, ouais, j'aimerais bien lui faire, sinon elle l'aura un peu plus tard, c'est pas bien grave. Elle a un an et demi, ça va pas là. Mais ouais, je voulais lui faire pour lui donner. Et puis ce sera vraiment le dernier rond. Je n'achèterai plus de rond. Voilà, donc je pense que je vais continuer toute seule parce que je ne vais pas vous garder non plus 4 heures à faire du DP avec moi. Enfin, je ne vais pas en faire 4 heures, hein, c'est le soir. Je pense que je vais en faire encore une petite demi-heure. Et puis je vais monter dans ma chambre. Hop, je suis mis ce petit coin là. Il faut que je remette de la pâte à fixe. Par contre, c'est super agréable de faire des couleurs comme ça, quoi. Bon, le noir là, c'est un peu embêtant, surtout mal taillé comme ça, mais puis, il y en a pas mal du côté par là, hein, du côté droite du DP. Mais c'est pas plus mal pour mon test de vernicole, parce que ça blanchit beaucoup sur les couleurs foncées. Du coup, ah, au moins sur le noir, je verrai. Je vous dis que je vous lâche après ce petit morceau, mais je continue ailleurs. Il va vraiment falloir que je vous laisse partir. Sinon, la vidéo va durer je ne sais combien de temps. Quand je vous dis que faire des vidéos, ça passe à une vitesse, on ne se rend même pas compte, quoi. Enfin, moi, perso,
Au début, à faire du DP comme ça, à vous parler, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter pendant 30 minutes? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais pas laisser des gros blancs, je vais pas. Puis en fait, je prépare rien du tout et voilà. Ça passe super vite avec vous, donc ça c'est cool. Donc j'espère que de votre côté, ça passe vite aussi. Bon, allez, je vous lâche parce que si je fais tous les 8, on n'est pas fini. Hein. Alors, je vais vous faire voir juste une dernière fois le DP. Donc, je vous recule. Donc, c'est un 40 par 40. Hein. Hop. Je vais éteindre la tablette peut-être. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Enfin, ce que j'ai fait et une partie avec vous. Donc là, je suis en train de faire la feuille. Et ouais, par contre, il brille super bien. Donc, je ne suis pas désespérée. Je pense que je commanderai quand même un DP chez Wacken Official Store pour me faire mon propre avis. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser au bout de 41 minutes, mes pauvres. Et je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et j'espère vous retrouver bientôt. De toute façon, je pense qu'on refera une partie du DP ensemble, si ça vous dit. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!